Bon, voilà, là on passe à notre modèle 35 mètres carrés conçu spécialement pour des personnes mobilité réduite ou avec des différentes sortes d'handicapés on peut avoir. Avec ce modèle, il est encore modulaire. Il est conçu beaucoup en tête les familles qui ont des personnes handicapées à s'en occuper et beaucoup pour la sécurité sociale de tout pays du monde pour faciliter le travail pour s'occuper de ces gens-là. Nous avons passé beaucoup beaucoup d'heures sur ce modèle. Comme tous les autres modèles, elle est entièrement modulaire. Les murs, le socle et le plafond fait 20 cm d'eau, donc c'est un vrai bâti et donc non démontable. Ce bâti est plutôt un bâti permanent. Comme tous les autres modèles, elle peut être posée sur du dur, sur un socle, sur pilotis ou flottant, qui facilite pas mal de choses pour les communes différentes. Le socle ici fait 8 mètres par 8 mètres, donc nous avons 64 mètres de surface aménageable en bas, mais le bâti d'elle-même, elle fait que 35 mètres sur cette maquette-là. Tout est possible encore. On peut le rendre plus grand ou encore plus petit. L'avantage avec ce modèle-là, c'est avec le trap qui est situé ici, on peut installer un système de caissons ici avec un ascenseur adapté et les personnes à mobilité réduite peuvent monter à l'étage sans problème, où il se trouve disposé de ses 64 mètres carrés, pardon, où il peut se mettre dans son jacuzzi, à table ici, parasol et la place pour bronzer au soleil. Bien sûr, une main courante de sécurité autour. Il peut redescendre dans son chalet et vous allez voir que sur le rez-de-chaussée, nous avons aménagé avec une chambre ici, une chambre là, en dessous, et ici derrière, une salle de bain aménagée spécialement pour personnes handicapées, puisqu'ils peuvent tourner sa chaise à cause des portes coulissantes dans toutes les pièces. Voilà, l'énorme avantage avec cette modèle, c'est que vu le bâti est beaucoup plus costaud que les modèles destinés à le tourisme, tandis que celle-ci, elle peut aussi bien faire pour le tourisme, c'est qu'on peut entasser cette modèle-là jusqu'à trois niveaux. Autrement dit, pour bien expliquer, monsieur bonhomme ici peut monter ici et visiter ce niveau-là, peut-être une autre personne, et encore une fois monter à cette hauteur-là pour visiter la toiture. Donc trois niveaux, c'est possible avec ce modèle. Voilà, encore un avantage avec le modèle, comme les autres, elle peut être posée sur la neige, elle peut être tractée, les barres de traction se situent en dessous de l'ossature, elle peut être flottée sur le lot, posée sur un terrain inondable, et évidemment, en cas d'inondation, le bonhomme, encore une fois, il monte à l'étage où il y a 2,50 m de sécurité. Donc, avec les deux chambres, les salles de bain, un grand séjour et une grande terrasse, on peut aussi fermer ici avec une baie vitrée pour faciliter le passage pour une éventuelle chaise pour faire le tour de son bâti. Comme j'ai dit précédemment, il est entièrement modulaire et peut être adapté à tout système électronique pour personnes handicapées.